Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative sur Fallout 4. Alors vous pouvez voir qu'aujourd'hui je suis accompagné de Frosties, Croquette, vous l'appelez comme vous voulez, et que je me situe au niveau de l'abri 111. On va y retourner les amis, et pour y retourner, vous allez devoir appuyer sur ce petit bouton. Au passage, n'hésitez pas à choper les First Aid qu'il y a juste ici. On appuie sur le petit bouton et on va se rendre direct sur l'ascenseur de l'abri afin d'y redescendre. Une fois arrivé à l'intérieur, vous vous rendez compte que votre compagnon est déjà arrivé, et c'est une très bonne chose, puisque pour cette petite astuce, nous allons récupérer l'arme qu'on ne pouvait pas récupérer en tout début de game. Il va falloir être absolument équipé, j'allais dire oui, équipé, on peut le dire ainsi, de notre compagnon canin. Donc vous reconnaîtrez aisément les lieux, ça rappelle des souvenirs, et on va prendre la porte de gauche, celle par laquelle nous sommes ressortis en début de game. Et il n'y a plus qu'à longer le couloir et aller jusqu'au bout et se rendre dans ce bureau qui vous rappellera également des souvenirs. L'arme en question se situe à l'intérieur de cette petite cache. Alors vous l'avez certainement vu en début de game quand vous avez commencé votre game, mais malheureusement il faut être maître dans le déverrouillage pour choper et pour ouvrir surtout ce caisson qui contient donc cette arme. Mais maintenant que nous avons notre petit compagnon, vous allez pouvoir lui parler et lui demander de tout simplement chercher des objets en faisant triangle comme ceci, comme vous pouvez le voir à l'écran, et surtout ensuite faire objet. Intéressant dans le coin, mon grand. Et voilà, c'est la magie du spectacle. Vous pouvez voir que votre compagnon vous ramène aisément cette arme sans aucun problème. Vous n'aurez plus qu'à aller la récupérer dans son inventaire et la mettre évidemment dans le vôtre d'inventaire, pardon, et de vous équiper de cette arme qui est quand même badass. Regardez, c'est la Cryolator, le Cryolator qui tire des munitions gelées. Voilà. Alors faites attention, les voilà les munitions, vous en aurez 200 et je peux vous dire, regardez à l'écran, je l'ai testé rapidement, elle a un très gros débit, donc forcément une grosse consommation de munitions. Voilà mes amis, pour ce petit tips rapide sur Fallout 4, n'hésitez pas à lâcher un pouce et évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.